Je sais pas si je quitte le tour ou pas. Yo, bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais, deux vlogs en si peu de temps, c'est ouf. Et donc aujourd'hui, on se retrouve au tour de ski et je vais essayer de vous montrer un peu les backstage de ça. Tout de suite, on se retrouve pour une journée type veille de course. Donc là, découpage. Donc les gars, ils vont faire un peu de vitesse. Moi, j'ai fait un peu d'échauffe et je les rejoins après pour un tour en groupe. Un moment collectif pour terminer sur le en endurance en entier. En endurance. Endurance 1 plus quoi. Ah, aussi. Et ensuite, je vous propose ces trois zones de découpage. On part du départ, hop, enchaînement de du virage, les hauts, et on termine dans le virage. Coupe. Ça c'est la première zone. C'est parti pour la mise en. La piste vue d'en haut, ça c'est la bosse. Le plat du début et du milieu. La descente là-bas que vous avez vu dans l'arco. Nous, ça s'organise. Ici, il y a Rich qui fait une interview. Ici, il y a les technos qui parlent après les tests des skis qu'ils ont fait dans cette trace directe là. Je montrerai plus tard dans le tour. Fin de séance. Je sais pas si on voit les autres. Ouais. Du coup, fin de séance de découpage. Et on va aller manger sous la tente au chapiteau. Covid friendly. Ouais, Rod. Coucou, Rod. On se croirait salaud blé, c'est au resto du cœur, tu sais. Bon appétit. Il dort bien, il fait la sieste. Et ça, c'est Renaud qui picore encore. Renaud, on vient de manger. Hein. Oh, oui. Ouais, bah là, c'est filmé. Voilà, bim. C'est filmé, tu faisais que manger. Tu viens nous filmer là. C'est con parce que je filme les deux les plus inactifs du truc, quoi. Ouais, là, vraiment, c'est vraiment pas le bon endroit. Non, je venais là parce qu'il y a. Il y a Momo qui est en train de couper les cheveux. De. Un peu de Rich. Quand même être dans le vlog, là, quand même. Bah ouais, mais d'habitude, tu es pas parce que t'es pas avec nous, quoi. Oh, en plus, Rich torse nu, ça va trop faire des vues. Tu vas voir les stats, ça va faire. De toute façon, faut le mettre en mode, tu sais, en photo de présentation de la vidéo. Ouais. Comme un bonsaï, je lui taille un peu. Donc, Richard, c'est un petit arbitre japonais, quoi. Ouais, voilà. Je suis zen. Ah putain, merde, j'avais pas mis la bonne hauteur. Des blagues pas drôles, mais on a l'habitude. Hein. Du coup, j'ai pas trop filmé depuis qu'on est parti du stade, mais en gros, on est rentré au logement puisqu'on est à une heure de route du site de course. Merci la fise. On est pas hyper satisfait avec ça. On va pas vous le cacher, hein. Et comme par hasard, c'est jamais les grosses nations qui sont les plus loin, les plus désavantagées. Niveau fair play, on n'est pas au top du top. On en a gros. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est rentré, on a fait petite sieste, petite course à pied que je vais pas filmer parce que c'est pas hyper intéressant non plus. On est allé manger, on a fait la réunion de course, on est rentré, Rich est allé se faire couper les cheveux. Le résultat, c'est ça. On va faire un truc mi-beau gosse parce que sinon après c'est l'enfer. Aussi, Rich a essayé de me filmer en train de faire du bain froid chaud sur mes tibias parce que ça allait bof ce matin sur le découpage puisque j'ai un petit syndrome des loges qui m'embête un peu. Et du coup, j'espère que ça va faire pour demain. Ensuite, il y a eu ça. Petite séance de kiné dans le lit. Il y en a, ils sont quand même privilégiés, hein. T'es en plus, quoi. Et quelle heure il est? 22h01 pour Monsieur Chalaba. Ouais, c'est la superstar, hein. Qu'est-ce qu'il a, son petit tibia, là? Il gonfle. Ça, c'est les chevilles, normalement. Non, mais oh, t'es pas fait ou quoi? Pour enfin finir maintenant sur les bottes de compression. Il est déjà un peu tard, plus de 22h. Bottes de compression pour Rick aussi. Tu as levé de course. Bah oui, obligé. Hein. Si on veut avoir des bonnes jambes demain, belle coupe de cheveux, belle jambe, ça va filer. Du coup, rendez-vous demain pour le jour de course. Donc, matin de course, première étape, le petit déj. En général, on aime bien manger, enfin moi j'aime bien finir de manger 3 heures avant. On est que 3 ce matin. Dans le bus pour de la course, ça fait déjà une petite 20 minutes qu'on est parti. Bref, là on monte et parti pour les chauffes. On filme mon pas, Chana. J'ai assez stressé pour la course. Si tu filmes, je vais doublement stresser. Il n'y a pas de toilette ici. Parce que regarde la descente. Il arrive dans la descente. Il se met debout. Il n'arrive pas vite. Oh là là.
Ça va, hein. Ça va. Mais ça va. Ça va. Non, ça va pas du tout. Ça va pas bien. Non, moi je suis d'accord, je l'ai pas passé vite non plus. Je l'ai pas passé vite, j'ai passé comme la part. Non mais tu l'as pas passé vite, mais mieux que la part. Je suis pas sûr. Voilà, 22h, fini la journée, un petit peu de bottes et le repas du soir parce que manger tard. Ultra beau gosse cette nouvelle coupe de cheveux, putain, pas mal. On se l'avoue, Lucas il est pas là, il est pas dans la chambre, il est au kiné, donc j'en profite pour prendre la caméra un peu et lui faire quelques merdes parce que sinon ça serait trop facile à trier. Petit retour sur la journée avec Richard, on a très peu filmé, c'était une journée où on a fait que courir. De partout. Globalement pour l'équipe c'était quand même un bon résultat. Moi au final j'ai eu problème au syndrome des loges où ça m'a bloqué les tibias et donc j'ai un peu de mal à finir la finale. Après ça on est rentré, on n'a pas pu manger. Je suis parti au contrôle antidopage. Contrôle antidopage avec nouveau protocole, c'était un peu galère aussi, j'ai mis du sang partout sur la table, bref. Et les coachs qui sont repartis maintenant pour fêter, parce qu'on est le 31, et du coup les coachs sont allés boire un coup et j'ai dit à type de filmer, je sais pas s'il va le faire. T'as pas peur du bonheur. Santé. Alors les gars, levé quelle heure ce matin? Combien d'heures? 6 heures. Combien d'heures de route? Et retour à quelle heure? 20h. Bonne journée de boulot. Pour des fonctionnaires, ça fait 14 heures, donc il nous reste une journée. Terminez le mois. C'est vrai, chef. Et voilà, et du coup, on est repassé au kiné. On fait des bottes, j'espère que j'arriverai à plus filmer demain. Demain, c'est jour de distance. Et il y a Lapal qui est venu se plaindre tout à l'heure qu'il n'était pas assez dans le vlog. Donc je vais aller le voir très vite. Je veux pas être dans le vlog, mais... Bon, je viens filmer, caméra, t'adores la caméra. T'adores être omniscentre. C'est pas ton intéressant. Omniscentre. Waouh. Ça, tu fais pas dans le vlog. Venir dormir avec nous là. Notez en commentaire qui veut venir dormir là. Commentaire, ça m'a commenté tout seul. T'as un chapeau pointu. Votez en commentaire si vous voulez dormir entre nous deux. Ou entre les deux dans leur chambre. Entre Richard et Lucas. Non, non, non. Si, tu mettras ça comme sondage. Oh, putain, faut t'en donner 20 par contre si tu veux gagner. Non mais c'est pas ça Théo, c'est pas rien dire. Théo. Théo. Non mais... Ça va pas monter, ça sera pas dans les sens du coup. Là, bon, allez. Là, on va rajouter au montage ma descente si quelqu'un l'a filmé. Ah mais on a ton petit, on a des petits commentaires sur aujourd'hui sur te filmer. Oh. En tout taille hein. Tu verras. Mais non, mais ça plus droit. Non mais c'est pas ça aussi, c'était... Ils ont saccagé la piste aussi, c'était dégueulasse le virage de la descente. Non mais un petit mot rapide, non, moi demain, vas-y, on est là. Hein. Demain on se démolit, pour voilà. Le premier de l'an on se démolit. Et surtout la santé. Allez, bisous, bonne nuit. Une des particularités du tour, c'est qu'il y a beaucoup de voyages. Et du coup, bah, on doit déjà faire notre sac. C'est comme on est loin, et bah, on va devoir faire notre sac et partir dans la foulée. Donc ça fait qu'on fait sac, petit-déj, et après on file au plus vite à la course. Et on part de là-haut pour la prochaine destination, Oberstdorf. Après la course, bien sûr. Tu oublies quelque chose? Non.
On n'a pas peur du bonheur. Vive les mariés. Il est là le marié. Encore. Titi, on t'aime. Colomani, I love you. Pas de danse, Julo. Pas de danse. Wouh. Pas chaud. Quoi, c'est moi qui ai fait ça? Mais il est tombé après. Il a quand même dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas grave. Non mais... Non mais en plus comme il faut quoi. Bah ouais mais le coffre était... Mais quoi, en équilibre? Non, il était pas en équilibre. Bah si, il était en équilibre. Il était en équilibre là-haut. Bah tu vas le nettoyer, c'est tout. Mais c'est pas moi. Et puis c'est tout. Bon après c'est pas très grave hein. C'est parce que t'as roulé comme un porc, du coup ça a tout déséquilibré. Ouais, bon, bah, voilà, hein. C'est le karma. C'est le karma. Il a deux seins d'une meuf, Richard. Y'a rien quoi, y'a rien qui va. Y'a rien qui va toi. Richard, comment on dit dans ton pays, bonne année? T'as pas fait le début. Il a dit Feliz Navidad, du coup ça fait enchaîne. Feliz Navidad à tous. Feliz Richard, Navidad. Comment on dit dans ton pays, bonne année? Bonne année. Ah putain, il a préparé. Donc... Putain, il a eu le temps d'anticiper. Mince. Du coup là, on est allé tester là-haut. On a testé un peu les skis. Pour voir si ça accrochait, tout le monde a un peu testé. C'est le moment de faire un vlog, là on a une course dans 1h30. Bah, sans déconner. Sans déconner. Du coup là on va aller se reposer un coup dedans avant d'attaquer plus sérieusement la course. J'espère que t'as commencé ton vlog en disant salut les Chanavos. On n'a pas dit bonne année aux Chanavos. Bonne année les Chanavos. Bonne année les Chanavos. Bonne année les Chanavos. Souscrivez un abonnement. Dans le cœur les Chanavos. On est vite. De s'abonner. Like, like et le pouce bleu. Et juste l'algorithme YouTube les gars. Wow. Wow! Ça fait les commentaires. Si, si, elle était là. Ah non, elle est là-bas. Non, elle est là-bas. Ah non, 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 c'est pas là-bas. Si, là-bas, il y a Léna. Allez, allez, on s'accroche! Combien de matchs t'habites, Emily? Allez, allez, cherchez une par une! Allez, 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 allez! Lucas à la 19, Richard Jouff, 23, on a des bonnes choses là, Yann et Grébli. Débrief de course, Rich. Ce fut extrêmement dur. J'étais pas mal au début, dans les bons groupes, assez devant. Puis en fin du dernier tour, je me suis fait, ouais, comme dit Choup, traversé par le peloton. C'est con parce que t'avais bien tenu tout le long. Situé de beaucoup de Norvégiens qui allaient très très vite. Le run, il était monstre. Moi, j'ai vu passer, c'est le seul mec qui allait aussi vite que Goldberg. Pourtant, je l'ai pas suivi longtemps. Ouais, mais tu l'as suivi. Et Choup, t'étais comment toi? J'étais en pleine forme, je comprends pas pourquoi je finis 65ème. Non, en vrai, ça allait pas trop. Les jambes qui serrent, mais. On va faire tout pour aller être fort à Val di Fiemme au sprint classique. Et moi, j'étais nul, du coup, je suis dépité. Et je sais pas si je quitte le tour ou pas. Donc l'avenir de ce vlog dépend un peu de ça aussi d'ailleurs. Un reporter. Si je quitte, j'espère qu'ils vont continuer, mais je sais pas si je continue ou pas. Parce que j'ai envie d'aller à Val di Fiemme, mais j'ai pas envie de me faire la paix à Oberstdorf parce que j'étais hyper nul aujourd'hui. J'avais les jambes comme si j'avais enchaîné la course du sprint d'hier avec la course d'aujourd'hui. Bref, les distanceurs étaient bons. L'allure roule la lèche, Julo. Clem, bien, solide. Ouais, bien, bonne course. Julo, bonne course. Ouais bah heureusement qu'il y avait Clem qui me tirait à la fin. Heureusement qu'il y avait Julo qui me tirait hein, au milieu. Bon bah vous êtes bien trouvés quoi. Oui, c'est un tir groupé. Et eux deux, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a pas de... Ça distille. Ça disjoncte. Oh là là. Bon, lui bien aussi. Pour faire court. Faut mieux faire, comme d'hab, faut mieux. Et Nono, bah il est plus dans le même bateau que moi. Ah le ciel. Oh non, il est parti, il est sur un passage là. Quoi le vide? Mais on va ciel. Pas là je crois. Je crois que c'est la même chose là. Du coup, j'ai décidé d'aller jusqu'à Val di Fiemme au sprint. Donc on part
tout le monde pack et on part pour le sprint. Enfin non, d'abord les deux distances de Oberstdorf. Les camions qui sont en train de ranger, les bus prêts à partir. Et on se retrouve à Oberstdorf. Pour une nouvelle aventure. Pour une nouvelle aventure.